Déclaration politique de l'Union pour la nation congolaise. À la suite de l'invitation faite à son président national, l'honorable Vital Kamerhe, par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete, la direction politique nationale de l'UNC s'est réunie ce dimanche 5 avril 2020 sous la présidence du secrétaire général AI pour examiner les contours de cette invitation. À l'issue de cette réunion, la direction politique nationale rend publique la déclaration suivante. 1. L'UNC note avec regret l'acharnement et la campagne de diabolisation par certaines officines à mal de positionnement sur la personne de l'honorable Vital Kamerhe, aussi bien sur les médias et les réseaux sociaux, et ce, depuis plusieurs mois. 2. L'UNC condamne avec force cet acharnement sur la personne de son président national et reste déterminé à mettre hors d'état de nuire les dites officines sans foi ni loi par toutes les voies de droit. 3. L'UNC réaffirme son attachement à l'état de droit dans notre pays, mais note que la dite invitation du parquet est le point culminant de l'acharnement contre la personne de son président national. C'est en sa qualité de directeur des cabinets du chef de l'État et au nom de ces derniers que l'honorable Vital Kamerhe a managé le programme des 100 jours initié par le président de la République, chef de l'État, au moment où tout le monde attendait la mise en place et l'investiture du gouvernement issue des élections de 2018, évitant ainsi l'immobilisme et l'attentisme préjudiciable à la nation. L'activisme et le patriotisme de l'honorable Vital Kamerhe lui ont attiré, depuis la mise en œuvre du programme des 100 jours, injures, calomnies et autres médisances. 4. L'UNC s'insurge contre la grave légèreté avec laquelle cette invitation a été adressée à son président national pour les raisons suivantes. N'avoir pas eu égard à son rang. L'adresse indiquée n'est pas la sienne. L'invitation a été déposée à une adresse autre que celle reprise sur celle-ci. L'invitation émise le 3 avril 2020 pour se présenter le 6 mars 2020. 5. L'UNC qui a eu à mener des combats et à les faire aboutir est prête à assumer celui qui s'ouvre et à ne pas courber les chines. En conséquence, elle ne se laissera pas faire devant ses ennemis et autres opportunistes. La direction politique nationale tient ainsi en alerte ses militantes et militants pour les combats politiques à venir. 6. L'UNC réaffirme son attachement à la coalition CASH-FCC et à l'accord de Nairobi sans lesquels les CASH n'auraient pas vu le jour et ne seraient pas par conséquent arrivés au pouvoir. 7. L'UNC réaffirme aussi son soutien inconditionnel et sa solidarité à son président national, l'honorable Vital Kamerhe, ainsi que son appui à la vision du chef de l'État et sa matérialisation à travers le programme commun du gouvernement CASH-FCC. 8. Enfin, l'UNC reste préoccupée par la propagation de la pandémie à coronavirus et rappelle qu'en cette période d'état d'urgence sanitaire, la priorité est la mobilisation tous azimuts pour combattre cette pandémie en observant scrupuleusement les mesures prises par les chefs de l'État. Dès lors, l'UNC met en garde contre toute tentative de distraction de l'opinion qui peut agir dans les sens contraires aux mesures édictées par les autorités du pays. L'UNC, toujours ensemble.